Bonjour à tous, c'est Benzito de retour dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis particulièrement content d'ouvrir une boîte avec vous, une mini-boîte, mais une mini-boîte qui a une certaine importance, on va dire, dans la collection. C'est pas forcément pour ces années-là que je vais ouvrir, mais plus pour l'histoire de ces cartes-là. Et donc aujourd'hui, on va ouvrir une boîte en format cigarette, en format boîte de cigarette. Des Tops 206, voilà. Ceux qui ne connaissent pas, hein, ça correspond aux équivalents des premières cartes de baseball qu'on pouvait trouver. Donc maintenant, plus de 100 ans, hein, largement. Voilà, ça se trouvait dans des boîtes de cigarettes. Et donc Tops fait encore régulièrement ce type de format, des Tops 206, donc avec des cartes qui ont le même style que l'époque. Et voilà, donc il y a donc 10 cartes à l'intérieur, hein, c'est marqué. Et ça, je voulais absolument m'en procurer. Et on va pouvoir ouvrir ça ensemble, voir un petit peu quelle tête elles ont. Donc on va avoir des cartes de style ancien avec des joueurs modernes, du coup, hein. Donc on va regarder ça ensemble tout de suite. Je suis bien content d'ouvrir cette boîte. Ça fait un moment que je l'ai. Hein. Ça va faire bientôt. Je pense que ça va faire plus d'un an que je l'ai dans mes stocks. Et donc je suis bien content de l'avoir. Allez, on ouvre ça. C'est parti. Ouverture. Ce sont des mini-cartes. Hein. Vraiment des mini-cartes. Le paquet déjà est tout petit. Les cartes sont encore plus petites. J'aime bien les mini-cartes. Alors ça tombe bien. Ça, c'est original. Hein. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Sinon, je vais prendre la paire de ciseaux. On va ouvrir ça proprement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Vraiment mini mini. Hein. Donc, voici ces mini cartes. Contreras des Cubs. Alors on est vraiment sur le style de l'époque, donc vraiment au plus simple. Hein. Vous voyez, à l'époque, c'était vraiment au plus simple. Très peu d'informations derrière. Et juste la photo du joueur, un petit peu style dessin. Alors, on a Thomas des White Sox. Story pour les Rockies. Freed pour les Braves. C'est vraiment tout petit, hein. C'est drôle hein, comme format. Perso, j'aime bien. Tous ces trucs un peu. Toutes ces collections un peu originales, j'aime vraiment beaucoup. Bregman des Astros. Baez des Cubs. Donc là, je sais plus sur quelle année on était. J'avais pris quelle année. Alors, est-ce qu'il va réussir à faire le focus? C'est 2020 que j'avais pris. Cruz pour les Twins. Bon, elles sont faciles à stocker, celles-ci, dans ces collections. Johnson pour les Diamondbacks. Senzel pour les Reds. Et la dernière, c'est Bell pour les Pirates. Alors, on en a une avec un arrière différent. Baseball Series. Donc, sur l'avant, on voit pas de différence, c'est que l'arrière. Alors, pourquoi elle serait différente, celle-ci? Première série. Ça va être peut-être des séries. Il y a plusieurs séries, peut-être, plusieurs sets différents. En tout cas, il n'y a pas écrit rookie, rien du tout. Donc je ne sais pas si vous savez. J'ai demandé Son Cruz. C'est les noms des joueurs qui sont derrière. Non, là c'est un mystère. Les arrières sont différents. Les cartes, en tout cas devant, ne le sont pas. Voilà en tout cas pour cette petite ouverture du coup de mini boîte hein, avec des mini cartes. On était tout en petit. Enfin, donc ça sera une mini vidéo du coup.
Donc voilà, c'est un format plutôt sympathique, hein, un format un peu paquet de cigarettes, hein, tout simplement, comme à l'époque. Et donc ces petites cartes de baseball, comme j'aime, et j'espère que vous aimez aussi. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à vous abonner évidemment à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos et pour continuer à voir ce genre d'ouverture un petit peu originale et différente que vous voyez pas forcément partout. Mais ça vous permet de découvrir, et n'hésitez pas d'ailleurs à vous en procurer. En tout cas, bah, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles ouvertures. Salut, salut !